C'est sûr qu'avec ce nouvel hôpital, on va améliorer, bien sûr, la capacité hospitalière du Grand Montréal. Mais Catherine, les besoins demeurent encore énormes. Absolument, parce que même si on a des lits supplémentaires, eh bien, ça va prendre du personnel pour les opérer. Vous allez le voir sur le tableau qui suit. En ce moment, on parle de 16 681 lits disponibles, mais je parlais avec différents intervenants en santé et ce qu'on me disait, c'est que souvent, ce qui fait mal en ce moment, c'est le manque de personnel. Donc, ça diminue significativement la capacité hospitalière. Et on vous en parlait la semaine passée, là. Un des problèmes en ce moment dans les hôpitaux, c'est qu'on a plusieurs patients qui ne devraient pas y être, qui devraient plutôt être en réadaptation, en service de santé mentale ou encore en CHSLD. Dans l'autre tableau qui suit, vous allez le voir, on parlait de 2300 patients en date du 1er septembre. Il y a 4560 patients qui sont en attente d'une place en CHSLD. Et c'est vraiment un problème, comme l'explique le Conseil de la protection des malades. C'est la faute du gouvernement. S'il n'y a pas de lits en nombre suffisant. Ça fait assez longtemps qu'on parle de ça. Ça fait assez longtemps qu'on dit qu'on devrait commencer à soigner les personnes âgées chez elles. On en a déjà parlé de ça, il me semble. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on va avoir une liste de près de 5000 personnes qui attendent pour un lit, autant en hôpital que sur une liste à partir de chez eux, parce qu'on n'est pas capable de soigner le monde chez eux. Puis là, on est parti avec la mode des maisons pour aînés. C'est beau, mais c'est 2800, 3000 lits, c'est passé. Et vous allez voir dans mon reportage plus tard, j'ai parlé avec une famille dont un proche était en hospitalisation plutôt. Et faute de place en CHSLD, on leur a mis de la pression pour qu'ils se retrouvent en résidence privée pour aînés. Et ce n'est pas adapté pour tous les cas, surtout pas pour quelqu'un qui est en lourde perte cognitive. Merci beaucoup, Catherine. À tantôt. Au revoir.